Je vous adore, ô Jésus, mon Sauveur et mon Dieu, divin captif, que l'amour enchaîne à cet autel, je les baise, Seigneur, ces liens sacrés qui nous assurent à jamais votre présence, qui vous retiennent au milieu de nous et font jouir les pauvres exilés de la terre de la présence du Dieu qu'ils espèrent posséder dans le ciel. Ah! Que ces liens de l'amour me lient à jamais à vous, ô mon Jésus, qu'ils enchaînent mon cœur à votre autel, qu'ils le rivent à votre tabernacle, je veux les porter toujours, ces deux chaînes de l'amour, elles me sont chères, elles sont glorieuses, et mon bonheur et ma gloire seront désormais d'être captif du Dieu que la charité a rendu mon captif. Vous trouvez des paroles pour vous exprimer mon ardente reconnaissance, ô Dieu si bon de l'Eucharistie, vous qui, pour me délivrer d'une éternelle captivité, vous êtes chargé de mes crimes, en avez pris sur vous la responsabilité et avez acquitté ma dette, en sacrifiant votre liberté et votre vie. Pauvre, dénué de tout, dépouillé de tout bien, que pouvais-je offrir à votre Père, ô mon Jésus, pour l'acquit de ma dette? Hélas! J'étais insolvable, je ne pouvais offrir à sa justice aucune satisfaction, capable de la fléchir, et je n'avais à attendre d'elle que des châtiments justement mérités et une éternelle réprobation, mais vous avez eu pitié de ma misère, ô mon Sauveur, touché de mon malheur, votre cœur s'est ouvert pour m'envelopper de sa miséricorde, et prenant sur vous toutes mes fautes, vous avez dit à la justice de votre Père, épargnez-la et frappez-moi. Et, comme si vous eussiez été coupable, ô mon Jésus, sa main s'est appesantie sur vous, vos larmes, votre sang ont coulé, votre vie a été sacrifiée, et moi, qui seul était coupable, j'ai été épargné. Voilà ce que vous avez fait pour moi, avant que j'eusse un cœur pour vous aimer, une voix pour vous bénir et vous rendre grâce de tant d'amour et de générosité. Et maintenant, Seigneur, si vous restez là, si vous êtes captif sur cet autel, n'est-ce pas encore pour être, comme un paratonnerre, placé entre le ciel et moi? Je pêche, et votre bras arrête celui de votre Père tout prêt à me frapper, mon ingratitude l'irrite, et, malgré mon indifférence, vous m'ouvrez un asile dans votre cœur, vous m'abritez dans vos plaies, tous les jours je contracte de nouvelles dettes envers la justice de votre Père, et tous les jours, en coulant sur cet autel, votre sang les paie et m'obtient mon pardon. Voilà, ô mon Jésus, ce que vous faites pour moi, ce que vous faites pour nous tous, comment nos cœurs pourront-ils reconnaître tant de bienfaits? Comment suffiront-ils à vous payer le juste tribut de leur reconnaissance et de leur amour? Ah! Si les hommes étaient reconnaissants, leur vie leur paraîtrait trop courte pour vous remercier de vos bienfaits, on les verrait entourer à l'envi vos autels, saintement empressés de vous offrir l'hommage de leurs adorations, l'amour les enchaînerait à vos pieds, les heures, passées avec vous, seraient pour eux des heures de bonheur. Le devoir seul les forcerait à se priver de votre présence adorée, et, en vous quittant, ils emporteraient avec eux le désir et l'espoir de revenir bientôt. Mais, hélas, ô mon Dieu, vos temples sont déserts, vos autels abandonnés, les anges seuls se pressent autour du tabernacle, la foule oublieuse passe, passe insouciante à la porte de votre temple où vous restez abandonnés. On gaspille le temps, on le perd en visites inutiles, en conversations frivoles, en plaisirs dangereux et souvent coupables, mais ce temps qu'on prodigue sans regret, qu'on dépense si largement pour son intérêt ou ses passions, on en est avare avec vous, on en a pour le monde, pour la vanité, pour le plaisir, on n'en a point pour vous, pour le Dieu qui nous donne le temps et nous attend dans l'éternité. Ah! Si vos mains divines s'ouvraient pour distribuer les biens périssables de la terre, si l'on avait à attendre de vous la gloire et les grandeurs humaines, la foule des solliciteurs encombrerait vos temples, ô mon Jésus, toutes les mains se tendraient vers vous, tous les fronts s'inclineraient devant votre tabernacle, et chacun aurait du temps pour venir vous demander vos biens, dont le cœur de l'homme est follement avide, mais parce que vous n'offrez que les biens de la grâce, parce que vous n'enrichissez que les âmes et ne promettez que les gloires de l'éternité, le monde dédaigne vos promesses, il refuse vos bienfaits, ne veut point des seuls biens réels, et, tout occupé de sa cupidité et de ses passions, il vous abandonne et va chercher loin de vous les moyens de les satisfaire. Votre cœur souffre de cet abandon, ô mon Jésus, il languit, il se consume d'amour pour les ingrats qui vous délaissent, il les appelle, et, dans la solitude de son tabernacle, il ne cesse de solliciter pour eux des grâces de conversion et de repentir. Oui, mon Jésus, votre charité est plus grande que leur ingratitude, votre cœur est encore pour eux le cœur d'un père et d'un ami, vous les bénissez et les aimez encore, et, du fond de votre prison d'amour, vous offrez à votre Père cette longue captivité, à laquelle vous vous êtes condamné pour eux, afin de leur obtenir le temps de faire pénitence et de revenir à vous. Mais ce cœur adorable qui plaide la cause des pécheurs, semble du fond de ce tabernacle s'adresser aussi à nous, et nous dire, comme autrefois le divin maître disait à ses apôtres.
Et vous, voulez-vous aussi m'abandonner? Non, non, ô mon Jésus, nous ne le voulons pas, nos cœurs sont à vous pour jamais, l'amour les lie à votre cœur, à votre Eucharistie. Et où irions-nous, Seigneur, pour trouver les biens que nous trouvons en vous? N'êtes-vous pas la vérité qui nous éclaire, la voie où nous marchons en assurance, la vie dont nous vivons? N'êtes-vous pas encore la force qui soutient notre faiblesse, le trésor qui supplée à votre indigence, la joie qui allège toutes nos douleurs? Oh! Nous voulons rester avec vous, y rester dans le temps, y rester dans l'éternité. Que le monde vante ses plaisirs, qu'il chante ses joies, qu'il se glorifie de ses trésors, nous n'envions aucun de ses bonheurs, le nôtre nous suffit, nous ne nous glorifions que des chaînes d'amour que nous portons pour vous et qui nous lient à votre Eucharistie, nous n'avons qu'un trésor, et ce trésor, c'est vous, et sa possession éteint en nous toute autre ambition. Ô Marie, Vierge Immaculée, vous dont le Saint Virginal a été le premier et le plus saint tabernacle du Dieu que nous adorons dans l'Eucharistie, vous qui seul avez bien compris le don que votre Fils a fait à la terre, en voulant demeurer avec nous jusqu'à la consommation des siècles, prêtez-nous votre cœur pour aimer Jésus dans son Eucharistie, apprenez-nous le secret de ces divins entretiens qui charment son cœur, obtenez-nous ces grâces, ces lumières qui découvraient au Saint Cé. Grandeur, ses amabilités infinies, qui les embrasaient d'amour pour lui et faisaient trouver si courtes les heures qu'il passait à ses pieds. Et puis, ô tendre mère, ayez pitié de l'indigence de vos enfants, et quand Jésus veut bien nous visiter par la communion, chargez-vous vous-même d'orner et d'embellir le pauvre tabernacle de notre cœur, en nous obtenant une ample participation à votre esprit de foi, d'humilité, de pureté et de charité, afin qu'il devienne pour lui une vraie prison d'amour, où il se fixe pour toujours. Ainsi soit-il.